retrouver la force de choisir notre avenir, défendre ce que nous sommes, affirmer notre volonté. La remontada est aussi un projet de retrouvailles avec la fierté du projet républicain. C'est son renforcement qui est à l'ordre du jour. Vous le savez, notre nation n'est pas une nation ethnique. Elle est une nation politique, civique, unique. Ce n'est pas notre sang, notre religion, notre supposée origine commune qui fait notre ciment. Notre ciment, c'est le projet, c'est le contrat républicain. Nous ne sommes pas unis par ce qu'on est, mais par ce qu'on veut, par où on va et ce qu'on en fait. Lorsque le contrat est faussé, mensonger, la République s'affaiblit, la nation se divise et s'affronte. Lorsque le contrat est piétiné, les Français s'insurgent, nous ne pouvons que les approuver. Les républicains engagés comme nous le sommes, le républicain social que je suis, doivent s'atteler à rebâtir les piliers de notre œuvre commune, la République. La France n'existe pas sans les Français. C'est eux qui la font tourner. Ils y mettent leur sueur, l'engagement, leurs efforts. Ils sont souvent, comme on dit, invisibles. Mais pourtant, c'est sur eux que repose l'essentiel de l'activité productive de notre pays. Comme disait Pierre Mauroy, le mot « ouvrier » n'est pas un gros mot. Le mot « travailleur » n'est pas un gros mot. Je vais maintenant entamer un tour de France. Aller voir les Français dans les champs, dans les usines, dans les trains, dans les petites villes, dans les métropoles. Je leur proposerai inlassablement et avec votre aide cette alternative. Je ne devrai qu'aux Français et à eux seuls le soin de la mettre au pouvoir. Peuple de gauche, rejoins-moi. Nous pouvons l'emporter ensemble. Unissons-nous aux Français. Avançons pour faire chuter les fatalités de l'histoire. Et comme le disait Churchill, donnons-lui un coup d'épaule. Vive la remontada de la France. Vive la République. Et vive la France. Ouais.